Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je vais être avec vous pendant une petite heure. Et durant cette heure, je serai accompagné par Monsieur Stéphane Baril. Bonjour Stéphane. Bonjour Franck, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Ben oui, ça fait carrément plaisir, puis ça fait un certain temps, donc on va essayer de profiter à fond de toi, et on va essayer d'en profiter en te posant sans doute des tas de questions, parce que les questions, vous pouvez les poser que vous soyez avec nous sur beyond.net/live/fr, ou que vous soyez sur la chaîne YouTube Adobe France, sur laquelle, évidemment, comme d'habitude, je vais vous passer le lien de la session du jour, sur laquelle vous pourrez nous retrouver, et sur laquelle vous pourrez commenter. Donc, bonjour d'abord aux amis du côté Beyond, donc Delphine, Camille, Franck, Seisun, Tikeno, Yves, vous êtes les bienvenus. Et bonjour aussi aux quelques-uns qui seraient du côté qui sont du côté YouTube. Et je vais vous passer le petit lien, comme ça vous serez bien. Stéphane, autour de nous, je nous ai mis un petit visuel avec Adobe Spark, mais avant de nous lancer là-dessus, j'avais un besoin très particulier, et ça je l'avais évoqué avec toi, c'était de te parler de ce qu'on va faire ensemble à la fin de la semaine, puisque c'est le gros Art & Talk, non pas le gros Art & Talk, mais le méga Art & Talk, et je me disais qu'il Apparemment. fallait vraiment en parler à tout le monde, donc je vous partage, comme attendu, comme convenu, le petit calendrier. Hier, il y avait Marine DLRSA qui était avec nous pour parler de design graphique, pour parler de la manière dont elle a réalisé son 36 Days of Type. Demain, Alicia Flippo nous fera de l'illustration et nous parlera de sa chaîne YouTube sur les muséums. Jeudi, on aura une petite session photo, mais vendredi, j'ai quatre invités. Et pas des moindres, on aura Quentin Règne dès midi, donc vendredi à 12 heures, ça démarre plus tôt que d'habitude. Ensuite, à 14h, ce sera Marine Coiffard. À 16h, ce sera Chloé Veillard. Et à 17h45, Kyle Webster sera avec nous pour une session. Donc, chacun auront à peu près 1h30. Et vous allez prendre du concept art plein les yeux. Donc, on aura du concept art, de l'illustration, du character design et plein de trucs de peinture numérique avec Kyle. Donc là, logiquement, si vous n'étiez pas encore conscient de la présence de ça, vous pouvez cliquer. Il est présent dans le calendrier maintenant du Adobe Live. Comme ça, vous pouvez nous retrouver dessus. Voilà. C'est toujours génial de voir Kyle. Surtout, n'oubliez pas aussi qu'il parle français. Il a étudié Exactement. en France pendant quelques années, donc il parle français. Il t'avait fait Il l'honneur avait et le fait une plaisir session avec nous de exactement. pour les 3 jours Photoshop, il était déjà présent. Ceux qui ne connaissent pas et qui se disent, tiens, je me lancerai bien dans la peinture numérique, ce sera l'occasion. Et ce sera donc vendredi, fin d'après-midi pour Kyle, mais les trois précédents seront aussi vraiment merveilleux. C'était la petite intro qui va bien là-dessus. Je vais te laisser la main, Stéphane, pour que tu nous expliques un petit peu ce qui se passe sur Adobe Spark. Bon, on va surtout refaire un petit tour d'horizon, vu que ça fait un petit peu longtemps qu'on en a parlé, puis la plateforme a évolué, donc on va refaire un petit tour d'horizon de ce que c'est, enfin les différents modules qu'il y a dedans, en fait. Et puis une grosse nouveauté qu'on attendait pour ceux qui connaissaient déjà, c'est la possibilité maintenant de créer, en fait, alors des marques personnalisées, on pouvait déjà faire, mais en tant que designer, je ne pouvais pas la partager avec d'autres, en fait. C'était moi, enfin, je pouvais envoyer quelqu'un, comment dire, modifier le contenu, mais c'était à moi de publier. En fait, je ne pouvais pas créer un modèle pour le partager avec quelqu'un. Donc, on va voir que ça a changé et j'en suis extrêmement content. Alors, Très bien. déjà, petite chose, je ne sais pas si mon écran est déjà partagé, hein, Oui, Franck. c'est déjà. Ouais. On est chez Donc, toi. okay. Donc si vous allez sur simplement adobe.com/fr et Spark derrière, vous allez trouver en fait cette page qui vous déjà vous explique un petit peu ce que c'est. Pour ceux qui se demanderaient, voilà, il y a une version gratuite, bien entendu, puis il y a des versions premium qui sont attachées à des comptes. Si vous êtes membre du Creative Cloud, vous l'avez par définition en premium. Hein. Juste pour rappel, quand vous allez dans votre logiciel Creative Cloud, au niveau des apps, désolé, je suis en anglais hein, parce que je fais pas mal de tutos en ce moment en anglais. Donc, si vous voyez au niveau des applications, vous allez avoir donc desktop, donc ordinateur. Si vous regardez sur mobile et sur web surtout, vous allez trouver la plateforme Spark. Et il est bien précisé ici, grâce à ces deux petites icônes, qu'elle est présente sur mobile et qu'elle est présente aussi dans le navigateur. D'accord? Une petite, juste pour le rappel aussi, quand vous passez par ce portail-là pour les services, si vous faites lancer, en fait, eh bien, ça va vous authentifier automatiquement dans le navigateur par défaut. Ah, c'est un petit truc tout con, tout bête. Tout con, c'est le terme technique. C'est la possibilité, en fait, d'aller directement
se loguer, pareil pour Adobe Live, hein, les Adobe Live dont on parle souvent où on est. Voilà, donc vous pouvez directement aller dessus. Alors moi, je suis déjà notifié, mais c'était pour vous montrer. Et en fait, Spark est séparé en trois applications. Donc vous pouvez voir d'ailleurs que uniquement en fait sur vidéo et page dont on parlera aussi sont disponibles que sur mobile. Ont une application mobile exclusive et Post a une application mobile et dans le navigateur, mais c'est aussi dans le navigateur pour les deux autres. Donc là, je pense que c'est une petite erreur de logo, hein, parce que c'est dans le navigateur aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elles, celles-ci n'ont pas d'application. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Spark Post est disponible sur iOS et sur Android, si je ne me trompe pas maintenant. Et par contre, Spark Video et Spark Page ne sont disponibles que ils sur sont, iOS. Ils sont encore que sur iOS. Ok. Ok. Alors attends, il voilà. Y a un truc que j'aimerais bien faire qu'on n'a pas fait sur Spark, c'est de faire un petit sondage auprès des gens qui nous suivent. Ouais. Est-ce que vous êtes utilisateur de Spark? Est-ce que vous connaissez seulement Spark? 0, 50 ou 100%? 0%, vous vous dites, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? De quoi va nous parler Stéphane? 100%, vous faites toute votre communication avec, et du coup, vous allez juste découvrir des nouveautés à l'intérieur de l'appli. Répondez à notre petit chat, on se donne les réponses dans 30 secondes. Vas-y Stéphane, je te laisse. Donc si je retourne ici, alors je me suis déjà authentifié, voilà, donc je suis déjà avec mon compte. Et ici, vous pouvez voir que je suis en mode premium, hein, j'ai pas d'incitation à passer à une version. Donc la version gratuite, juste aussi pour revenir sur cette partie-là, bah, vous aurez un watermark, vous aurez le logo en fait, Spark sur toutes vos publications. Donc j'ai un petit logo, hein, c'est pas non plus hyper intrusif, mais il y a un petit logo, donc si vous voulez l'enlever, et dans la version premium, vous avez aussi la possibilité de créer vos propres marques, c'est-à-dire qu'au lieu de se baser sur des modèles, il y a énormément de modèles, on va voir, eh bien vous pourrez avoir vos propres logos, vos propres couleurs, vos propres fontes. D'accord? Donc ça, c'est aussi juste la petite différence entre la version gratuite et la version payante, voilà. Donc, il y a une version premium juste Spark, si vous êtes sur plutôt... Alors, Spark, juste aussi pour rappeler qu'est-ce que c'est. Alors, je vais peut-être sortir d'ailleurs avec Spark. Alors, pendant que tu choisis, on commence à avoir des réponses. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de 0%, et il y a pas mal de 50%, je pense, des gens qui font partie de nos habitués, Benoît, Seisoun, Greg, Camille, etc., qui doivent en avoir déjà entendu parler. Par contre, j'ai personne qui est à 100% dessus, donc je pense que vous allez pouvoir y aller dès la fin de la session. Je pense qu'on n'a pas fait de test, et que du coup, il n'y a pas mon son, donc c'est pas très grave. Je vais lire une vidéo, normalement, il y a... Voix. Ouais, c'est ça. En fait, du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est une petite vidéo qui a été faite. Donc, il y a trois services. Et cette vidéo va vous expliquer que Spark, c'est trois choses. C'est Spark Post, Spark Page et Spark Video, en fait. Donc, cette petite vidéo que vous allez voir a été faite avec Spark Video pour expliquer ce que c'est que la plateforme Spark. Et il y a une petite musique d'ambiance et je parle. Alors, je vais vous expliquer ce que je dis dans la vidéo. Hein, plus que... Est-ce que tu veux que je chantonne la musique d'ambiance? Vas-y, je veux bien. Voilà, donc en gros, voilà, ça vous permet de créer des contenus pour les réseaux sociaux. Donc il y a trois trucs, du page, des posts et des vidéos. Okay, donc page, ça te permet de créer des pages qui ont un défilement continu, une page web, qui se partage très très facilement en un clic. Hein. Alors ça, c'est une petite vidéo placée à l'intérieur. Donc ça permet de résumer un événement, partager une expérience. Et donc vous n'avez pas besoin d'avoir un blog, etc. C'est auto-hébergé, vous avez juste une URL à partager. En fait, il n'y a pas besoin de maintenir un site. Là où Post, ça te permet de créer en fait des visuels graphiques, des posts hein, pour les réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le voir dans l'illustration, bah, on peut ensuite redimensionner assez rapidement, assez facilement pour s'adapter aux différents posts que vous avez besoin de faire. Donc voilà, donc ça c'est assez pratique. Et puis par Spark Video, bah, c'est ce qui permet de raconter des petites vidéos comme celle-ci en fait, que vous êtes en train de voir. Et on va pouvoir assembler des textes, des icônes, des vidéos, des voix off, et voilà. Et avec à la fin aussi, bah, par exemple, voilà, des petits éléments assez graphiques et les crédits qui sont récupérés automatiquement dans votre vidéo. Ouais, ce qui va être assez pratique d'ailleurs pour tous les gens qui font attention justement aux droits d'image ou autres dans les contenus. Donc voilà, donc c'est pour créer ce trois types donc de contenu. Et à la base, c'était vraiment fait plutôt pour ce qu'on appelle les PME, hein, les petites et moyennes entreprises, et aussi les étudiants. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que Spark, en fonction de, quand vous dites Spark, c'est la plateforme Spark, où il y a ces trois services, hein, on va voir d'ailleurs qu'il y a des petits bonus aussi, mais la plateforme Spark,
En fait, si vous êtes chez Adobe, nous, par exemple, nos commerciaux, notre marketing utilise énormément Spark Page pour faire des retours d'événements. C'est-à-dire qu'on arrive très rapidement, on se concentre, en gros, on se concentre sur le contenu. Tout est basé sur des modèles de marque ou des modèles voilà, que vous trouvez intéressants. Et vous concentrez sur ce que vous racontez et la mise en forme est belle, responsive, etc., automatiquement. Hein. Donc, nous, beaucoup, en fait, utilisent ça pour très rapidement faire un rapport un peu plus sympa que des slides PowerPoint ou autres. Et donc, chez Adobe, souvent, quand mes collègues qui ne sont pas techniques, qui ne sont pas du tout sur la partie créa, parlent de Spark, ils sous-entendent page, en fait. Alors que sur les community managers, sur les indépendants, c'est souvent poste. Alors que dans l'éducation, c'est souvent vidéo. Tu veux dire que tout le monde connaît Spark, mais tout le monde ne connaît qu'une facette de Spark. Alors, il y a des gens qui l'utilisent plus, mais je veux dire, c'est amusant, c'est que voilà, parce qu'en fait, c'est par exemple, vidéo est très 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 utilisée bien dans Dans l'éducation pour l'éducation, permettre oui. aux enfants très rapidement de faire des exposés, de faire des choses comme ça en vidéo, parce que c'est extrêmement facile, on va le voir. Donc voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, c'est en fonction de son profil, on connaît plus une partie, et on va dire Spark, de manière générique, sans préciser si c'est post, vidéo ou page. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Alors, ce qu'on va faire ici, je vais vous montrer déjà un petit tour de l'interface. Donc là, je suis déjà authentifié avec mon compte, hein, tout simplement. Je rappelle aussi que dans le compte ici, vous avez l'aide et qu'il y a énormément de pages de ressources pour vous apprendre à démarrer. Vous avez bien sûr un petit tour guidé la première fois que vous lancez le service, hein, bien entendu. Donc ici, je suis sur mon espace de bienvenue, l'origine, hein, donc ma home. Et voilà, vous voyez déjà, on vous incite à, voilà, il y a plus de 47 000 modèles Spark. Donc pour le contenu, donc c'est-à-dire voilà, si je cherche, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux faire un poster YouTube? Est-ce que je veux faire des contenus animés? Est-ce que je veux voilà, travailler pour les réseaux sociaux, etc. Donc on voit qu'il y a déjà pas mal de contenu. Je peux passer donc par là pour trouver des informations. Je peux utiliser les petits lanceurs ici pour les choses les plus fréquentes en fait à faire. Ou je peux passer par le petit plus ici pour créer. En fait, voilà, des prospectus, on verra ça à partir de modèles, des formats personnalisés, je peux bien sûr faire ce que je veux, des collages, des pages web, des graphiques de marque, ou je peux voir, pour ceux qui connaissaient avant, quand on clique ici, on avait une vue de plein de modèles, une vue visuelle, donc là, dans ce cas, si je fais tout voir, je retrouve cette même vue D'accord. visuelle de type de contenu hein, que l'on peut faire avec tout, les illustrations, donc les posts, les web et les vidéos. Hein. Donc ça, c'est pour trouver de l'inspiration. Ça permet de voir très rapidement le type de contenu que l'on peut créer. Hein, si on prend les pages, ben voilà, il y a des pages. Voilà, donc ça, c'est pour raconter plutôt un voyage, plutôt pour dans l'éducation, parler d'un rapport, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de voilà, d'éléments pour nous aider à commencer. Je vais peut-être commencer par vidéo d'ailleurs, qui est un petit peu moins utilisé, mais je vais passer par vidéo et je vais passer par le plus là où je ne vais pas prendre un modèle volontairement pour vous montrer ça. Donc je vais juste venir sur vidéo ici. Et il y a quelque chose qui est très bien fait, c'est que depuis le début, hein, l'idée c'était de se dire, quelqu'un qui n'est pas graphiste, comment il peut, certes il a des modèles, mais comment on peut l'aider dans la narration? Et la vidéo, c'est ce qui est le plus compliqué en fait. La vidéo, on peut vous apprendre toutes les techniques du monde, on peut vous mettre l'outil le plus simple du monde. Si vous n'avez pas un script, un scénario, vous n'avez pas une idée de comment structurer une histoire, eh bien vous pouvez avoir le plus bel outil, en fait, ça ne donnera rien, tout simplement. Voilà. Donc déjà, il va falloir se dire. Donc imaginons que ce soit un exposé sur le Japon. De mon histoire, de ce que je veux faire. Et là, je vais avoir des modèles. Mais ce n'est pas des modèles au sens graphique, c'est des modèles de structure de l'histoire. Est-ce que je veux promouvoir une idée? Est-ce que je veux dire raconter un événement? Est-ce que je veux montrer et raconter, par exemple, mon voyage? Est-ce que. Voilà. Donc en fonction de ce que je veux faire, je veux faire une méditation, eh bien, on ne va pas avoir la même structure de narration. Donc là, si je veux faire montrer, raconter, par exemple, un voyage, je vais faire choisir celui-ci. Et là, en fait, voilà, il va me donc, préparer la structure du projet et je vais être guidé, en fait, pour pouvoir me permettre de créer une vidéo très rapide. C'est entre une petite vidéo et un petit motion, mais tout ça facile, en fait, hein, vraiment, encore une fois. Voilà. Et donc, bien sûr, vous avez une petite vidéo qui va vous donner, alors moi je ne la coche jamais, hein, donc moi c'est volontairement, comme ça me permet d'avoir le message et de montrer à tout le monde qu'il y a un petit vidéo de prise en main qui arrive. Mais n'oubliez pas, hein, quand utilisateur, mais je sais pas si tu fais aussi toi qui as été formateur, C'est il y a ça. plein de fois les gens ils râlent parce qu'ils ont toujours la fenêtre, mais ils cliquent jamais sur ne plus afficher en fait.
Voilà, moi c'est exprès. Mais je passe Sondage le message. qui N'hésitez clique sur pas à ne lire plus les boîtes de afficher dialogue. et qui peste sur le fait que ce soit toujours affiché. C'est ça, Voilà, c'est c'est le ça. moment où vous manifestez. Tiens, il y a un truc, puisqu'on va parler de vidéo, il y a Yves qui nous fait une remarque qui dit une chose à préciser, pour les abonnés Creative Cloud, ça ne compte pas dans votre quota disque sur le cloud, et ça, c'est très appréciable. Oui, tout à fait. Ça à part, ouais. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc je vais venir voilà, pousser ta tête et la mienne. En fait, c'est que j'ai déjà voilà, quelque chose, une structure qui a été faite. Donc, alors, propose-moi, bah, qu'est-ce que je fais? Donc c'était mon voyage, c'était quoi le voyage, pourquoi y suis allé, je vais montrer. En fait, voilà, ça m'aide à faire une structure. Et si c'est pour pitcher l'idée, bah, on va me dire, bah, voilà, quelle est la problématique, quelle est, etc. Et ça va m'aider. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, l'analogie, en fait, qui est assez simple, c'est avec PowerPoint ou Keynote, hein, sur Mac. Vraiment, il y a une notion de slide, qui bien sûr bah, ont une durée de temps plutôt vidéo. On n'a pas une timeline vidéo comme on l'aurait dans Premiere Rush ou Premiere Pro par exemple, mais on a ces genres de slides ici qui par définition par défaut ont 2 secondes, durent 2 secondes. Voilà. Et sur ces slides, je vais pouvoir mettre de la vidéo, je vais pouvoir mettre du texte, je vais pouvoir mettre des photos, je vais pouvoir mettre des icônes, comme on va voir dans un instant. Donc déjà, on voit qu'on a pas mal de choses et qu'on voit sur le côté ici, en fait, que bah, en fonction de l'onglet qui est sélectionné, donc là j'ai effectivement disposition, mais on verra, il y a le thème, il y a le redimensionnement, il y a la musique, hein, ici, donc ça c'est les modules, et ensuite ça sera en fonction de ce qui est sélectionné. Donc là ce qui va être intéressant, c'est que imaginons que je veuille bah, mettre un texte, alors ce que j'aimerais peut-être c'est un truc plein écran, parce que c'est mon titre en fait, et voilà, ici, donc juste, il charge en fait mon élément, je viens dire bah, maintenant que je veux mettre un texte, et je vais dire bah, par exemple, à partir de ce moment-là, voilà, je peux très bien dire, bah non, mais j'aimerais rechanger la disposition. Et là, je vais pouvoir vouloir mettre mon voyage au Japon et peut-être une photo d'illustration. D'ailleurs, je vais aller ici, je vais prendre juste une photo pour vous montrer. Quand on est ici, on peut bah, bien sûr charger une image depuis son ordinateur ou depuis son téléphone si on ne le fait plus le téléphone. Ici, photographier, tiens, c'est la première fois que je vois ça. Oui, c'est que je peux Depuis utiliser ma le bureau, webcam. ah, tu Ah, peux utiliser d'accord, ta webcam, c'est cool. ouais, j'avais pas vu ça, c'est nouveau. D'accord, donc même sur le navigateur, on peut. Avant, c'était réservé au téléphone, donc c'est intéressant, on découvre des choses parfois. Et puis, je peux aller chercher des images dans Adobe Stock si j'ai des crédits, je peux aller chercher mes images dans Creative Cloud, dans Lightroom, dans Dropbox ou autre. Ou je peux aller chercher sur les images gratuites, attention, bien entendu, d'ailleurs, c'est marqué que vous allez le faire ici, en savoir plus, toujours lire les petites lignes. Voilà, c'est bien sûr marqué, c'est-à-dire que là, on va chercher dans des bases d'images, comme vous pouvez le voir, Flickr, 500px, etc., où les photos, les tags des photos ont été déclarés en Creative Commons avec un droit d'usage commercial. Par contre, toujours à vous de quand même bien regarder en fait ces droits. Donc, par définition, nous, on ne va pas chercher une à une, hein, c'est ce qui a été déclaré comme étant mis là. Hein. Donc après, à vous de quand même regarder la licence des photos si vraiment vous avez un doute. Mais c'était au moins aussi toujours pour le rappel. Donc là, je fais exprès d'aller dans les banques gratuites, hein, c'est dans un premier temps. Puis là, je vais chercher. Bah, voilà. Donc ici, bah, il va chercher en fait dans la base les bases de photos. Et puis, bah, par exemple, allez, on va prendre cette image-là. Okay. Voilà. Donc là, déjà, ça y est, j'ai ma petite image d'intro de ma vidéo. Et là, du coup, il estime que c'est 4 secondes parce qu'il y a du texte et une photo. Mais je peux très bien dire d'ailleurs que j'aimerais que ça soit l'inverse, en fait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de thème parce que là, je suis sur un thème déjà brandé. Je vais prendre plutôt dans les thèmes qui existent de base. Donc là, vous voyez qu'il y a tout un tas de thèmes et que dans ces thèmes, il y a des thèmes de couleurs et il y a des sous-thèmes de couleurs, par exemple. Je peux dire, bah oui, mais c'est bien le Tidal que je veux, mais avec autre chose. Vous voyez, il y a tout un tas de thèmes. Voilà, pour avoir vraiment un genre de vidéo, et vous voyez que ça se répercute sur toutes les slides, en fait, automatiquement. Donc ça, c'est assez pratique. Donc voilà, donc là, j'ai ce qu'il me faut. Je passe, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, voilà, c'est le retour. Peut-être que je vais mettre un petit icône pour dire, bah voilà, Japon. Donc là, ça va chercher dans les bases d'icônes. Donc je vais chercher Japon, par exemple, ici. Et là, c'est du SVG, en fait, c'est du vecteur. Ce qui veut dire aussi que c'est pour ça que les couleurs s'adaptent automatiquement au template. Hein, toutes les icônes que l'on trouve ici, qui sont bien sûr libres de droit, en Creative Commons, eh bien, vous allez avoir la possibilité. Alors, peut-être que je vais faire plutôt, un Tori, ici pour travailler. Donc, on peut s'amuser à mettre, voilà, faire tout un tas de choses. Bien sûr, je peux aller chercher aussi des vidéos. Donc, j'upload une vidéo venant de mon disque. Par exemple,
c'est le Spark. On va faire de l'inception, on va mettre du Spark dans Spark. Voilà, histoire d'avoir sous la main. Voilà. J'upload. Bon. Là, je peux dire, ben, voilà, ce que je veux, c'est toute la vidéo. Alors, on va être limité, hein, sur, pour une question de performance, on est limité à 30 secondes sur l'import de vidéo. Donc là, je vais juste faire la partie... voilà, jusqu'ici. Voilà, juste... voilà, on va juste faire ça. Voilà. Et donc, je vais enregistrer. Ici. Après, sur plusieurs slides, hein, je peux mettre plusieurs fois 30 secondes, hein, bien entendu. Et sur la vidéo que j'exporte, je n'ai pas de limitation, c'est juste sur la vidéo importée ici. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Je vais revenir ici, on va aller chercher, par exemple, allez, d'autres photos du Japon. Je prends un petit peu n'importe quoi. C'est fini. Attends, quand tu charges des gros trucs, en fait, tu frises un tout petit peu. Ah, donc, tout va bien. Tu nous as dit que tu prenais d'autres photos du Japon. Donc, on y est presque. Oui, mais pour l'instant, en fait, l'écran est frisé. Il n'a pas l'air de vouloir cette photo-là du Japon. Ah oui, mettez juste du temps, en fait, voilà. Ouais, tu vois, ça doit être une grosse. Ah, j'aime bien celle-là. Ouais. Yves nous dit dans Lightroom, la taille des aperçus dynamiques est largement suffisante. Donc, si la collection est synchronisée depuis Lightroom classique, c'est OK. Exactement. Ouais. Pour rappel, les aperçus dynamiques, c'est environ 2540 pixels sur le bord long, en fait. Ça fait en moyenne 5 à 7% du quad de l'original, avec pas de perte visuelle. Oui, c'est voilà, ça, c'est beaucoup mieux qu'un JPEG. Exactement. Donc voilà, donc ici, là c'était juste histoire d'avoir des slides, et juste pour vous montrer ici à la fin, eh bien vous voyez que les images en fait qui avaient un watermark à l'intérieur, bah, sont récupérées automatiquement. Okay, si, voilà. Après, vous pouvez décider de pas les mettre, mais bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, donc du coup, vous avez la possibilité ici de tester. Et puis, bon voilà, on peut rajouter bien sûr de plus de slides, moins de slides, etc. Donc, ce qui est intéressant aussi, avant d'aller plus loin, c'est qu'on va avoir la possibilité aussi de mettre une bande-son, en fait, en fond. Donc, vous pouvez bien sûr aller chercher vos propres musiques. Juste pour rappel, hein, et tu peux mieux en parler que nous, vu que tu maintiens aussi depuis des années la chaîne YouTube Adobe France. Faites attention aux musiques, hein, parce que c'est pas parce que vous l'avez acheté que vous avez le droit de l'utiliser, et YouTube risque de vous bannir si c'est pour mettre sur YouTube. Voilà. Pour du perso, vous pouvez peut-être, voilà, vraiment famille pure. Bon, voilà, il peut y avoir des tolérances, mais absolument pas à diffuser n'importe comment. Alors que toutes les musiques qui sont là sont bien sûr en libre de droit, vous pouvez les utiliser sans problème. Donc là, moi, j'en prends une, voilà, au hasard, et vous pouvez gérer sa force. Bon, faut pas que ça soit non plus trop fort, surtout si vous voulez parler, hein, tout simplement. Donc, si on regarde un petit peu, hop là, mince, hop là, c'était un peu page. Voilà, ce que je voulais, c'était bouger ça. Vous avez aussi ici, donc en haut, maintenant, un aperçu. Donc, si vous voulez voir ce que va donner la vidéo, alors là, j'ai la petite musique. Et vous voyez qu'il y a des petites animations en fonction des modèles. Hein, ce n'est pas les mêmes en fonction des modèles. Là, vous voyez qu'on avait une typo assez, assez ronde. Alors là, la typo est forcément pas ronde parce que ça, c'est une image. Que j'ai importé, en fait. Hein. Voilà. Et vous voyez que toutes les petites transitions, tous les petits trucs, voilà, passent automatiquement, et qu'il y a aussi un petit logo là incrusté, voilà, par défaut. Et voilà. Donc tout ça, bien sûr, peut être personnalisé. Hein. On va voir ici. Pareil, hein, vers la fin ici. Hop là, j'ai cliqué au mauvais endroit. C'est pas ça que je voulais. Hop là, juste revenir, c'est pas grave. On va revenir sur mon document, ici, dans mes récents, je vais le trouver tout de suite, voilà, on va revenir dessus. Juste le temps de recharger. Est-ce qu'il y a des questions pendant que ça charge? Écoute, pour l'instant, non, j'ai eu quelques commentaires donc, de Yves tout à l'heure. Je me suis permis de vous copier, de vous coller le lien de Franck Fortuna qui est avec nous et qui se sert de Spark, lui, par exemple, pour la promotion de ses tote bags. Donc vous irez regarder, j'ai mis le lien dans les commentaires. Et il présente, pareil, il utilise Spark Page, pour le coup, avec des intégrations de vidéos YouTube, etc. Donc ce sera parfait comme petit exemple. Et pour finir, parce que je vois que le temps file avec les introductions et puis la production de la plateforme, etc. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez que c'est 2 secondes, vu que là, il n'y a qu'un icône. Mais si je veux parler par-dessus, eh bien, vous cliquez simplement, vous restez appuyé sur ce micro. Alors, bien sûr, avec les nouvelles règles de sécurité ici sur Mac, vous êtes obligé d'autoriser le micro. Mais une fois que c'est autorisé, c'est bon. Et je vais pouvoir, par exemple, dire, voilà, c'est il y a 2 ans, nous sommes allés au Japon. Et nous sommes allés à Miyajima avec le fameux Otori, etc. Voilà. Et vous voyez qu'automatiquement, la durée, en fonction du texte,
que je viens de dire, donc des trucs, eh bien, est ajusté. Donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec des durées, des morceaux tronqués. Et si je réenregistre parce que je ne suis pas content, eh bien, je vais refaire plusieurs fois, etc. Alors pour la petite histoire, moi j'avais, du coup je l'ai ici, voilà, j'avais, je lisais en fait tout simplement, et donc par slide, hein, par page, tac, 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 et hop, et comme ça on refait une ou deux fois, mais c'est des petites phrases assez courtes, ça vaut le coup, et j'avais exporté, moi j'utilise pour exporter des... Ça s'inquiète beaucoup. Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe aussi, un des usages que moi j'ai aussi de Spark Video de temps en temps, c'est, je n'aime pas, par exemple, quand on fait des présentations, donner mes slides, mes PowerPoint ou les keynotes, tout simplement parce que, sauf si vous faites que des bullet points et vous avez tout mis sur les slides et que vous dites la même chose à l'oral, ce qui pour moi est un peu, voilà, pas les bonnes pratiques, en fait, de présentation. Mais des slides que j'ai créés, c'est soutiennent mon discours. Donc, sans le discours, ça ne vaut pas grand-chose, en fait. Donc, dans ce cas-là, de temps en temps, j'exporte simplement une série de slides parce que tout n'est pas forcément à garder ou à donner, à délivrer. Mais dans ce cas-là, j'exporte en JPEG, simplement, les différentes, ou en PDF, les différentes slides. Je les importe ici et je mets la voix par-dessus rapidement pour donner une vidéo très, très rapidement à quelqu'un. Voilà. Donc, ça, c'est un usage, par exemple, que j'ai, en fait, de Spark Video. Alors ensuite, bien entendu, ce que vous pouvez, c'est télécharger la vidéo directement au format MP4 ou partager directement. Voilà. Alors là, ce qu'on a dans le partage, on va y revenir tout à l'heure, c'est la publication. Donc là, ça vous permet de publier sur les différentes plateformes. Mais vous avez aussi invité. Et invité, ça voudrait dire que j'ai créé le template, par exemple. J'ai créé les visuels, les éléments. Par contre, le texte, c'est pas moi qui suis le rédacteur. Je peux inviter quelqu'un d'autre sur son email associé à son compte Adobe pour qu'il puisse rajouter du texte. Donc qu'il puisse alors pas coéditer en même temps que moi sur le même document, comme on le ferait dans XD par exemple, mais que l'on puisse travailler à plusieurs, mais chacun son tour. Okay. Voilà. Et donc après, et puis bon, on peut envoyer dans Google Drive un résultat. Voilà. Donc ça c'est, et puis on peut aussi repartager par là. Hein, donc ça c'est deux endroits à partir duquel on peut inviter quelqu'un à partager. Et puis encore une fois, je peux télécharger un MP4. Dans les choses que j'ai pas oublié de vous dire, c'est que on va supporter aussi le format largeur. Et après, par exemple, alors là je modifierai pas forcément celui-là. Je ressortirai pour vous montrer. Ça sera pareil pour les posts. Ça sera pareil pour les autres choses. Exposer sur le Japon. Ce que je ferai, je passerai par trois points ici. Dupliquer. Voilà, donc normalement, bien sûr, on renomme. Et à partir de là, je rentrerai à l'intérieur de cette copie et je ferai mon changement de format. C'est ce que je fais, par exemple, quand j'ai des posts à faire, par exemple pour Twitter, Instagram, etc. Et à partir de ce moment-là, j'en crée un dès que je suis content. Au lieu de changer de ratio, ici j'ai besoin d'en publier, d'être obligé de rechanger le ratio et de refaire deux, trois petits ajustements, et bien là, il y a juste à faire ça. Et revenir pour choisir le bon format. Donc là, on va voir effectivement, bien entendu, là, il n'y a que deux formats. Donc c'est format carré plutôt Instagram et c'est format en fait YouTube. Voilà. Mais là, du coup, voilà, en cliquant ici, en cliquant sur carré, il va me remettre en fait l'ensemble en fait de mes slides et bien sous une forme. Alors là, il faudra peut-être que je reprenne ici pour réduire en fait la taille, en faisant modifier, réduire la taille ici de mon visuel, mais voilà, j'aurai au moins le gros de la vidéo qui est déjà prête. Oui, ça permet vraiment de penser, donc format écran, format Instagram, story. Ouais. Martine nous demande, est-ce que si on est sur PC avec la connexion sur le web, on peut avoir accès à Spark Video et page oui, c'est exactement dans un navigateur, ce que fait hein. Stéphane. Ouais, là, je suis dans un navigateur. Donc ça, c'est possible. Et effectivement, sur le mobile, ce sera sur un iOS uniquement, vous aurez vidéo et page. Et sur Android, vous aurez que post pour l'instant, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Pareil, si j'ai pas dit de bêtises en intro, mais normalement c'est si ça. Ça se trouve, c'est arrivé. Non, mais sinon, vous cherchez spécification Spark, vous allez trouver tout de suite. Hein, mais à ma connaissance, c'était ça. Donc voilà, donc ça, c'était pour commencer avec vidéo qui est souvent méconnue. Donc au moins, si vous ne connaissiez pas, ça a mis un peu plus d'emphase dessus. Ensuite, vous pouvez créer des posts. Par exemple, imaginons que je veuille créer une story Instagram. Eh bien, vous pouvez directement cliquer ici. Et là, donc, en faisant ça, je vais directement en fait sur une story hein, de base. Là, du coup, vide, parce que j'ai demandé juste le format. Je n'ai pas voulu passer par modèle. Mais par contre, vous voyez qu'automatiquement, va s'ouvrir ici tout un tas de modèles que je vais pouvoir aller récupérer. Alors, sur la partie gauche maintenant, pour ceux qui connaissaient avant et qu'on n'a pas suivi un petit peu, sur la partie gauche, c'est les modèles, les contenus que je peux récupérer ou ajouter.
Et sur la partie droite, c'est les propriétés. Les propriétés, là, vu que rien n'est sélectionné sur mon espace de travail, ben c'est les propriétés de l'espace de travail, modifié, etc. Et quand j'aurai des choses sélectionnées, ce sera des propriétés spécifiques à l'élément sélectionné, un texte, une image, etc. Okay? Donc, le meilleur moyen, c'est peut-être de prendre un modèle qui nous plaît. Alors là, je regarde très rapidement. J'essaye de trouver un truc qui est deux, trois choses qui me permettra de vous montrer facilement deux, trois petites choses. Ouais, il y en a plein de beaux, mais ce n'est pas ce que je cherche. Ouais, C'est pas alors, ça on du va prendre tout. celui-là. Ah, allez, on va prendre celui-là, ce n'est pas grave. Okay. Voilà. Et donc là, alors, vous voyez qu'il y a des modèles premium aussi. Hein. Dans l'abonnement, il y a les abonnements gratuits et les abonnements premium. Et quand vous voyez ce petit badge là, ça veut dire que c'est un modèle premium. Hein. Mais sinon, il y a énormément, énormément de contenu. Voilà. Donc là, par exemple, je me suis juste basé là-dessus. Et puis en même temps, j'ai vu qu'il y avait de la boue, donc c'était une petite dédicace pour toi, Franck. Voilà. Et donc ici, c'est un modèle, mais ça ne veut pas dire que je suis bloqué par ce modèle. Ça veut dire que je vais pouvoir vraiment travailler ici, le reprendre voilà, assez facilement. Donc ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir rebasculer, chercher mon propre texte. Hein, vous voyez qu'ici, il y a une zone de texte. Je peux créer des styles, je peux aller récupérer d'autres images, je peux retourner l'image s'il y avait besoin. J'ai des filtres photos ici qui sont disponibles. Alors, il y a tout un tas de filtres, le niveau de gris, vous allez avoir du mat, vous allez avoir des choses. Et vous voyez qu'ici, par définition, il y a déjà un modèle de gamme de couleurs et que j'ai la possibilité aussi de rechanger ces filtres en jouant sur cette double flèche qui est simplement ce qu'on appelle du random, en fait, hein, de l'aléatoire, en fait, voilà, pour donner. Maintenant, je peux bien sûr mettre mes propres images, mais là, pour gagner du temps, je préfère passer parce que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Ce qui est intéressant aussi depuis la nouvelle version, c'est qu'on a ici l'ordre d'empilement. Comme des calques. Donc là, on voit bien que j'ai une image qui est en arrière-plan et que j'ai du texte ici. Et ce texte, peut-être, j'aimerais le mettre par-dessus parce que, par exemple, ici, voilà, il est là. Et si je le mets derrière un élément, alors ils sont dans le background. Donc là, on ne va pas pouvoir mettre en dessous. Mais par exemple, voilà, si je pense ce logo-là et que je viens le mettre ici, et il va se retrouver sous le texte ou ici sous le texte, sachant que c'est un élément dont je peux changer la couleur assez facilement pour prendre les couleurs du thème. Vous voyez, voilà. Donc là, maintenant, il est bien passé dessous. C'est tout bête, mais ça vous permet de venir bien très, très rapidement changer l'ordre des éléments. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez pratique. On va avoir aussi, si je reprends toujours aussi l'image, on va aussi avoir des fonctions d'amélioration, c'est-à-dire contraste, luminosité, saturation. Donc si j'ai pris une photo avec mon téléphone ou avec la capture comme on a vu tout à l'heure, eh bien, je vais avoir la possibilité déjà d'améliorer. Hein. Vous connaissez tous ça déjà dans Lightroom, dans Photoshop Express ou autre, le contraste, la luminosité, la saturation, déboucher les ombres. Et puis, on va pouvoir aussi mettre du flou en fait sur l'image, hein, tout simplement. Voilà, mettre plus ou moins de flou. Par exemple, si c'est juste une image de background et je vais avoir d'autres images par-dessus. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses. Hein. Bien sûr, on peut ajouter ça en grand. On peut avoir l'image en flottant. Hein, et donc dans ce cas-là, on va pouvoir la mettre exactement où on veut. Elle n'est plus dans l'arrière-plan. Voilà. Donc ça, donc je vais la remettre en arrière-plan ici pour vous montrer. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Maintenant, ce qu'on a la possibilité ici, c'est de revenir et de se dire, bon, je veux rechanger de variante. Alors j'ai remplacé, imaginons que j'ai remplacé mon texte, j'ai les éléments, j'ai remplacé les images, mais je peux encore reprendre d'autres modèles. Et tout d'un coup changer d'état d'esprit, me dire bon ben non, est-ce que ce serait plutôt comme ça, est-ce que ce serait plutôt comme ça. J'aimerais aussi modifier, alors là c'est les tailles, on va voir ça tout à l'heure. Si je désélectionne ici, je viens dans les dispositions que j'ai perdues tout d'un coup. Je ne retrouve plus mes dispositions, dis donc. Attends, je vais chercher en parallèle, c'est jamais simple. Ouais. Alors, je les anime, les arrière-plans. Ah ben, dans les arrière-plans, tout ça. Voilà, dans les arrière-plans, on a aussi des dispositions. Alors, encore une fois, donc là, ce qu'il y a, c'est que voilà, j'aperçois que j'ai un bloc. Il n'est pas très très grand, donc je vais le prendre un peu plus grand ici. Voilà. Oui, il Voilà. adapte complètement le bandeau à la taille Ouais, du parce que le texte. bandeau, il est fait par une forme, un effet de forme. Donc le bandeau ici, en fait, vous allez pouvoir voir, il y a tout un tas de formes. Et donc là, c'était un bandeau assez large. Vous voyez, il y a tout un tas de formes qui peuvent habiller l'arrière en fait de votre texte. Comme vous allez avoir, donc du coup, là, vu que je suis sur un bloc texte, je vais avoir aussi la possibilité donc de venir donc faire un, donc masquer le texte lui-même, c'est-à-dire faire trouer en fait la forme qui est derrière.
Donc pareil, ça c'est assez amusant. Je vais pouvoir mettre des ombres portées, bien entendu. Je vais pouvoir travailler sur des contours, etc., etc. Donc je passerai rapidement parce que ça vous allez pouvoir jouer avec, et puis on peut créer un style que l'on pourra réutiliser plus tard, qui s'appelle un style de surbrillance, brillance par exemple ici pour un seul morceau du texte par exemple. Donc on peut sélectivement aussi enrichir en fait le texte à l'intérieur du bloc texte. Donc là l'idée donc que je voulais montrer aussi sur les arrière-plans, donc c'était ça que je voulais vous montrer. Donc c'est pas modifier l'image que je veux, mais c'est dans arrière-plan ici. On a aussi la possibilité d'avoir des grilles, c'est-à-dire bah, non, mais en fait moi ce que j'aimerais plutôt c'est avoir voilà plutôt une grille qui ressemble à ça, grille modulaire. Et là du coup je peux mettre des images, ou je peux mettre des aplats de couleurs, ou je peux mettre des fonds, des patterns, je peux mettre tout un tas de choses. Et là on voit bien que c'est un background, hein, donc il est dans l'arrière-plan, on peut rien mettre en dessous. C'est comme l'arrière-plan de Photoshop, on peut rien mettre en dessous. Mais au moins, on va pouvoir gérer en fait les espaces entre ces arrière-plans ici pour permettre de redispatcher un petit peu nos images. Donc là, pareil, c'était très rapidement pour vous montrer ce qu'on peut faire, mais je vais vous montrer d'autres choses après. Bien entendu, dans les ressources, bah, on a tout un tas de logos, de badges. Donc ça, c'est tous les éléments vectoriels. On a des ressources design ici qui sont des éléments graphiques qui sont mis à votre disposition. On a les fameux arrière-plans qui peuvent être des couleurs, qui peuvent être des motifs, il y en a énormément. Il y a bien sûr aussi les photos, où là on revient sur les éléments. Pareil pour les textes, on a tout un tas d'exemples de textes dont je peux me servir pour pouvoir les ajouter. Voilà, imaginons. Alors ça va pas être beau, hein, ce que je fais, hein, c'est juste histoire de vous montrer des choses. Mais voilà, si je veux avoir un effet horreur, voilà. Voilà, c'est tout ça a déjà été fait pour vous, vous n'avez plus qu'à les modifier. D'accord? Et j'ai une petite question de Martine qui demande juste si tu pouvais remontrer où et comment tu affiches les calques de superposition. En fait, les cales, c'est quand je suis sur un de mes éléments. Voilà, si j'ai rien de sélectionné, hein, voilà, si je sélectionne un élément sur mon canvas, en fait, ça apparaît automatiquement ici. Okay, donc là, c'est plié. Quand je clique dessus, ça se déplie. Voilà. Et du moment où ce n'est pas un arrière-plan, bah, je peux venir changer son ordre d'empilement parce que j'aimerais qu'il soit légèrement derrière ce bloc. Okay, là, pareil, c'est un groupe. Donc normalement, là, j'ai un groupe. Voilà, on peut grouper, on peut faire vraiment tout un tas de choses. Et puis on va voir tout de suite la partie branding, les logos. On va voir ça dans 5 minutes. Et surtout, maintenant, on a aussi accès aux bibliothèques Creative Cloud à l'intérieur en fait de Spark. Alors c'est super intéressant, surtout aussi si vous avez vous êtes plutôt dans le mode voilà petit business et vous n'êtes pas designer, mais vous avez besoin de créer du contenu. Et bien là, un designer peut très bien maintenant créer une bibliothèque avec des contenus pour vous les mettre à disposition, avec les logos, avec des images déjà. Qu'il a fait, qu'il a shooté peut-être de votre business, de votre truc, pour pouvoir avoir des contenus un peu sympas à mettre ici. Donc, du moment où on a pu vous partager une bibliothèque, bah, vous pouvez récupérer les contenus. Voilà. Et ce qui va être super intéressant aussi maintenant, c'est les logos. Donc, on va voir ici les marques. Donc, je vais revenir sur la page. Okay, là, j'ai pas cherché à te faire du beau hein, du tout. Hein. J'en suis désolé, ça a Écoute, même arraché on les. est parti pour la nuit d'horreur, donc tout va bien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et quand tu dis logo et marque, ça peut tout à fait être votre club de sport, votre association. Exactement. Alors, du coup, si on va sur marque, alors les marques, la création des marques ne se fait que dans le navigateur. Okay, vous pouvez les utiliser sur le mobile, mais la création des marques, vous devez à tout prix vous mettre sur un ordinateur avec un navigateur. D'accord? Vous pouvez voir que j'ai fait, voilà, il y a plusieurs tests, plusieurs versions du logo, par exemple Adobe. Il y a aussi ici, en fait, voilà, une fausse marque, et puis bah, Mathieu, l'événement auquel on participe avec le laptop et Jérémy Claise. Donc voilà, donc la création d'une marque, et vous voyez qu'aussi on peut partager avec vous une marque, et ça c'était une marque que tu avais partagée avec moi il y a un petit moment. Donc voilà, donc une marque, comment ça se crée? Eh bien, on vient cliquer ici, tout simplement. On va me demander la première chose, bah, voilà, vous avez des petits visuels qui sont représentatifs pour montrer l'impact que va avoir votre logo majoritairement hein, sur des exemples ici. Donc là, vous pouvez juste transférer votre logo. Donc là, si je viens ici, je vais prendre le logo Adobe rouge, voilà, qui est le logo par. Voilà, et vous voyez qu'automatiquement, déjà, j'ai voilà, un petit exemple de ce que ça pourrait donner sur plein de modèles. Du coup, ensuite, je peux aller choisir les couleurs. Il me propose tout de suite de prendre là où les couleurs, une des couleurs du logo. Donc là, pour l'instant, ce qu'il me demande, c'est plutôt la couleur d'ambiance. Hein. Donc je fais enregistrer et vous commencez à voir que ça se met à jour. Et puis, ben, je peux aussi aller chercher les polices, en fait. Donc là, dans les polices, j'ai tout un tas de jeux de police qui me sont proposés, déjà dans la plateforme. Et puis, si vraiment je veux, et si j'ai la licence sur ces polices, eh bien, je peux aussi uploader mes propres polices de caractère. D'accord? Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Alors moi, je vais prendre juste, par exemple, une lato, hein, juste histoire d'avoir quelque chose.
Voilà, donc là pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai mis voilà, le logo principal, la couleur principale et la forme principale. Donc si je fais suivant maintenant, bah, il va commencer à me générer une marque. Je vais dire voilà, à ce... C'est très spécifique comme marque. Ouais, t'as vu? Alors au passage, si vous n'avez pas de logo, il va prendre ce typo-là comme étant le nom en fait, de votre marque. Mais donc maintenant que j'ai mon logo principal, je peux très bien aller chercher en fait les autres versions de mon logo, parce que souvent il y a la version en fait blanche en fait. Version blanche, on va prendre une autre peut-être. Ouais, c'est celui-là. Voilà, j'ai la version blanche du logo. Alors s'il veut bien, ça des fois le navigateur veut pas. C'était là. C'est moi qui étais juste pas assez voilà, patient. La version, normalement j'ai la version black ici. Alors c'est celle-ci que je voulais. Bon, c'est pas grave, on va mettre. Ah oui, elle c'est celle-ci. Ensuite, et ainsi de suite. Donc je peux mettre tout un tas de logos en fait qui du coup vont venir avec ma marque. On a aussi, alors juste pour le truc, juste on a aussi la version verticale ici rouge, voilà, l'élément. Et ici, je peux personnaliser aussi pour pas que ça soit Ask Pro, que ça soit le nom en fait de la marque. Et ça, c'est l'incrustation qu'il y a sur les vidéos. En fait. D'accord? Et je peux bien sûr changer plus tard. Donc là, on voit déjà que je peux avoir quelque chose qui est assez chargé. Et puis, je peux rajouter d'autres couleurs. Bah, par exemple, imaginons que j'ai. Donc, je peux très bien mettre aussi une hexadécimale voilà, en particulier. Donc là, on va faire du noir aussi. Voilà. Et puis, je pourrais mettre voilà, les différentes couleurs qui vont dans la palette en fait, de ma marque. Donc, si j'ai. Oui, J'ai dis-moi. une petite question de Greg qui me demande est-ce qu'il est possible d'aller chercher des polices Adobe Fonts dans Spark? Alors oui, alors dans le modèle c'est un peu particulier, dans la marque malheureusement non. Par contre sur le po sur les postes oui, il y a moyen. Donc pour l'instant ça fait partie d'ailleurs d'une des grosses feature requests sur le User Voice. Hein. Je pense que tu pourras passer l'adresse du User Voice. Donc c'est une grosse discussion en ce moment justement sur le User Voice de pouvoir avoir un accès à cet endroit-là au moment de la marque et non pas dans le poste lui-même. Et dans le poste lui-même, je pourrais vous montrer, on peut aller récupérer en fait bah, les Adobe Fonts. Il en a sur son compte Creative Cloud. Donc ici, par défaut, il a choisi la tour et puis donc pour le titre. Et bien sûr, il m'a choisi une autre police. Et vous voyez d'ailleurs qu'il vous propose des associations de police ici. Donc vous dire, bah voilà, ce que je te propose, c'est peut-être une Futura avec une PTC Serif, ou alors peut-être une Lato avec la gamme, c'est celle que j'ai là, ou peut-être tiens, on va prendre, voilà. Donc il y a, on vous propose aussi tout un tas de choses pour les personnes qui ne sauraient pas comment fonctionnent, s'associent en fait les polices, et imaginons que ça soit ça, donc je vais remplacer, et à partir de maintenant, c'est les polices qui vont être prises en compte ici dans mon modèle. Et si je descends un petit peu, alors pour ceux qui connaissaient avant, vous allez être surpris, ce qu'on ne trouve plus, avant, ils vous généraient plein d'exemples en fait de postes, en fait, plein. Et là, on n'en trouve pas. Alors, je reviens sur ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est Vous allez passé? voir dans un instant. Par contre, ce que l'on va trouver, c'est les thèmes ici maintenant. C'est vraiment le thème de la marque. Donc, le thème de la marque, c'est les logos, les couleurs, les fontes, mais aussi le thème, par exemple, ici de Spark Page. Donc, par défaut, il nous a créé un thème clair, un thème neutre et un thème sombre, en fait. Okay? Et pareil pour les vidéos. Donc, c'est les vidéos de tout à l'heure, c'est ça. Et pour Spark Page, vous allez voir aussi qu'on a les aimants. Donc, si on revient sur vidéo, si je viens sur le thème clair, ici, et on peut en créer d'autres, hein, bien entendu, hein, on peut créer autant de thèmes que l'on voit, eh bien, je vais aller donc sur page, par exemple, et je vais cliquer ici, et je vais voir que j'ai la possibilité de changer, en fait, le style, ici, bah, de mon style 1, et est-ce que je veux que ça soit, par exemple, toujours en majuscule, est-ce que finalement, non, j'aimerais que ça soit plutôt du noir, que ça soit du rouge, enfin, pour les traits, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir revenir sur un exemple, les boutons, est-ce qu'ils sont plutôt ronds? Est-ce que le texte est blanc? Est-ce que, enfin, vous voyez, on va vraiment pouvoir venir sur un modèle de page. Qu'est-ce qui se passe sur les légendes? Est-ce qu'il y a une reportée? Voilà. Donc là, on a vraiment une mise en page qui est factice, mais qui me permet de voir en fait comment mes éléments vont interagir. Et effectivement, c'était mieux tel que c'était. Voilà. Comment ils vont interagir avec mon template ici? Voilà, donc ça c'est ce que vous pouvez faire. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est revenir ici, donc à la place de l'en-tête. Voilà, on peut savoir, ben, voilà, l'arrière-plan de la page. Est-ce que je veux mettre des couleurs à l'arrière-plan? Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est rouge, comme on avait vu? Est-ce que c'est voilà. Donc vous avez vraiment tout ça qui peut être personnalisé, tout ici, les boutons, les liens,
Les slideshows, comment ils se présentent par défaut, les photos, comment elles se présentent par défaut, le titre, comment elles se présentent par défaut, et ainsi de suite. Okay? Le logo en pied-page, donc vous pouvez vraiment tout personnaliser ici pour créer un template qui, lorsque vous ensuite vous allez concentrer sur l'écriture d'une histoire dans une page web à défilement continu, eh bien vous aurez tout qui est fait, et bien sûr vous pouvez modifier a posteriori pour modifier en fait toutes les pages qui déclinent de ce template. J'ai une petite question de Sarah qui nous dit, est-ce qu'on peut importer un nuancier type nuancier ASE, les Adobe Swatch Exchange? Non, 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 les ASE ne sont pas supportés. Là, on est vraiment que sur de l'hexadécimal, vu qu'on est vraiment que sur du web, en fait. Mais par contre, vous avez accès à tout un tas de nuanciers qui correspondent à ce qu'il y a sur Color, Oui, et exactement. vous pouvez récupérer ça dans le panneau couleur, vous aurez des nuanciers à 5 couleurs qui seront utilisables. Adobe.com. Là, vous allez pouvoir voir si vous avez. Hop là, donc là, effectivement, petit tour, on a mis à jour tout un tas de petites choses. Donc, ça me permet de vous le montrer en même temps sur l'accessibilité, ce qui est un des grands sujets de prédilection. Voilà, mais vous avez la possibilité, vous voyez qu'ici, on va pouvoir choisir les modes, en fait, et du coup, trouver la bonne conversion, etc. Enfin, bref. Donc, je passe très rapidement, mais on a ce service-là qui peut grandement nous aider. Et donc, pareil pour vidéo, vous avez vu tout à l'heure, la police utilisée, les éléments, les couleurs, bah, tout ceci est géré dans le template de cette manière, en fait, ici. Okay. Maintenant que ce template, il est fait, en fait, maintenant que c'est, si je reviens sur ma marque Aske Pro, du coup, voilà, j'ai la possibilité, et ça c'est assez récent, d'inviter quelqu'un, en fait, tout simplement. Par exemple, je pourrais inviter Franck, par exemple, et là, il aurait la possibilité d'utiliser la même marque que moi. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, si vous êtes graphic designer et que vous avez, par exemple, des clients qui sont des petits commerces qui ont besoin très rapidement de faire des posts pour les réseaux sociaux, mais ils n'ont pas passé par vous, et puis ce n'est pas forcément votre plus-value ou autre, ben, vous pouvez très bien créer un brand guideline de cette manière-là et leur diffuser, en fait, la marque, simplement les invitant sur un email associé à leur compte Spark. S'ils Oui, prennent un compte et ils pourront Spark s'en servir Premium, tout sur ça. leur téléphone, ils pourront faire les photos du menu du matin, ils pourront faire les trouvailles de la boutique vintage dont ils ont besoin Exactement. tout de suite, sans vous demander à n'importe quel moment, quoi. C'est un... Exactement. Donc là, on partage la marque. Et ensuite, bien entendu, si vous avez fait des photos, si vous avez préparé des visuels, vous pouvez aussi partager donc les visuels, donc ce qui va aller à l'intérieur, donc le contenu. Donc là, la marque, c'est la coque, c'est tout l'habillage générique. Et en fait, la bibliothèque, que vous pouvez aussi partager avec eux en usage seul, comme ça évite de foutre le bronx dessus, et bien vous avez la possibilité aussi de partager une bibliothèque où vous avez du contenu, que vous avez déjà fait de la curation, c'est-à-dire que vous avez déjà pris des bons contenus et vous êtes sûr qu'ils ne vont pas utiliser n'importe quoi. Voilà, ils peuvent, hein, dans l'absolu, mais Techniquement, ils ont c'est le mieux droit, si vous mais... leur avez offert du matériel pour qu'ils puissent. Alors, est-ce que ça va, ça, pour l'instant? Ouais. Alors écoute, pour l'instant, j'ai pas de questions spécifiques dessus. Super. Non, on avait les nuanciers ASE. Donc tout va bien, tout va bien. Après, c'est une question pas du tout spécifique de quelqu'un qui voudrait une nouvelle session Dimension avec des nouveautés sur le logiciel Dimension. Si jamais un jour tu t'ennuies et que tu repasses par ici. Ça marche. Et au passage, vous pouvez voir que moi, quand je crée, à chaque fois, c'était avec les couleurs d'Adobe, tout simplement parce que, vous voyez la petite étoile, c'est celui-ci qui a été défini Comme thème par défaut. comme par défaut, c'est ma marque par défaut. Et pareil, au tout début, on n'avait qu'une seule marque quand ils ont entendu la notion de marque. Et il y avait beaucoup de community managers qui disaient, bah oui, mais moi je gère plusieurs marques en Plusieurs fait. marques Donc là, vous différentes, pouvez plusieurs aussi clients. voilà, avoir bah, plusieurs marques et vous pouvez bah, inviter les différents clients. Ou si vous êtes dans une agence, vous êtes le créa, vous créez la charte graphique et vous pouvez aussi créer en fait comment dire, Les templates, les modèles. les templates et les partager avec les community managers Ce qui, eux, qui fait que vont vous gérer le êtes contenu au sûr que les quotidien. community managers vont utiliser les bons éléments et ça évitera d'avoir une communication qui soit pas cohérente. Exactement. C'est vrai que même sur des toutes petites PME, quand vous avez un ou deux associés et qu'ils ont besoin de communiquer, il faut pas qu'il y en ait un qui poste les photos brutes prises de travers et l'autre qui fasse des trucs très jolis, sinon ça se voit. Je Exactement. sais que c'est beaucoup dans la clientèle du sujet. Est-ce que la marque, c'est l'équivalent d'un gabarit InDesign, demande Martine?
plus ou moins. Alors oui, c'est un petit peu un gabarit InDesign dans le sens où bah, on l'a vu sur le template vidéo, le template etc. C'est on va avoir à l'intérieur bah, finalement déjà les styles de caractères, on va déjà avoir les logos placés aux bons endroits, etc. Donc on va dire oui, c'est un peu l'équivalent, ouais. C'est un peu l'équivalent, mais on est plus sur oui, c'est plutôt la charte graphique, on va dire. Mais le contenu, bah, il sera plutôt dans les bibliothèques ou ailleurs, en fait, en fonction. Mais oui. Là où, justement, donc, une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur bah, les modèles post, on les a pas vus, en fait. Ils ont disparu de cette marque, C'était comme on l'avait ça, avant. ouais. Alors, si on prend, par exemple, le Mathieu, parce que là, ce modèle-là est assez intéressant, j'ai créé un post. Okay? Donc, j'ai créé un post pour Mathieu, ici, que j'aimerais maintenant avoir comme modèle. Eh bien, à partir de ce moment-là, je vous montre déjà à quoi correspond ce post. Donc j'ai choisi un format plutôt slide façon YouTube, voilà, donc c'est 16/9. Et dessus, j'ai mis une image pour placement. Donc ici on pourra, donc c'est une vraie image qui est marquée FTO, donc je pourrais juste faire remplacer le contenu. Au passage d'ailleurs, vous avez donc si je vous montre ça, j'ai oublié de vous montrer quand même, c'est quand même super intéressant. Si je viens chercher par exemple une photo de je sais pas moi fleur. Voilà, je vais essayer de trouver une photo d'abeille. Tac, tac, tac. Alors, une belle abeille. Parce que t'as plus assez de fleurs. Te. Ouais, ben non. Bon, voilà, je vais prendre la fleur là, c'est pas grave. Allez. Hop là. Du moment où j'ai une image qui est en flottante, hein, c'est-à-dire qu'elle n'est pas placée en arrière-plan, eh ben, vous avez supprimé l'arrière-plan. Donc là, c'est le même algorithme en fait que vous avez dans Photoshop, que vous avez dans Adobe Stock pour faire des recherches visuelles. C'est-à-dire que bah, on va vous détourer automatiquement ici, et vous avez même un outil pour continuer à supprimer des éléments s'il a raté. Et donc là, si je dis OK, bah, voilà, j'ai détouré cette fleur, pouvoir avoir un petit élément qui passe par-dessus. Donc là, c'est vraiment Adobe Sensei, hein, notre algorithme d'intelligence artificielle et de machine learning en fait, Il va nos vraiment faire le algorithmes qui détourage pour toi. Exactement. Donc là, vraiment, c'est voilà, c'est quelque chose aussi qui est super pratique. Vous pouvez voir que c'est extrêmement propre. Okay? Donc voilà. Donc là, j'ai pris les bons textes. Alors pour ce qui était des textes, justement, on en parlait tout à l'heure, justement pour Adobe Fonte, c'était la question. Lorsque vous êtes ici, là, vous avez la possibilité, hop, si je descends ici, de parcourir Adobe Fonte. Okay? Donc là, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai fait parcourir Adobe Fonte. Ça m'a ouvert Adobe Fonte. Et j'ai pu aller activer la police et ça s'est remis à jour ici automatiquement. D'accord? Donc là, j'ai vraiment la police qui est utilisée, voilà, qui est utilisée en fait par nos amis en fait de Mathieu. Alors là, je vais refaire annuler parce que je voulais garder ma fonte. Voilà. Donc là, j'ai placé mes éléments, voilà, en background. Ça en background, c'est des éléments que j'avais prévus en fait dans une de mes bibliothèques qui s'appelle Mathieu, sur lequel j'avais mis en fait tous les éléments et je suis venu les déposer ici et donc event Mathieu, voilà. Et donc, dans les événements, dans les bibliothèques, maintenant, on va avoir deux choses. On a les modèles. Donc, en fait, quand je veux partager un modèle post, il va falloir que je le mette dans une bibliothèque, la fameuse bibliothèque que je vous disais qu'on allait partager pour le contenu. Et les ressources. Les ressources, c'est ce que vous voyez à l'intérieur. C'est-à-dire les logos, les photos, etc. Donc là, j'avais déjà isolé les éléments et il n'y avait plus qu'à venir les déposer, en fait, pour les récupérer. D'accord? Donc là, on voit bien que j'ai pas de modèle pour l'instant. Okay? Qu'on pourra partager depuis ici la bibliothèque, d'ailleurs. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que si je ressors, je reviens sur mon projet ici, au niveau principal, je vais maintenant pouvoir lui dire, grâce à ces trois petits points ici, que je veux me baser sur ce poste pour faire mon propre modèle. Parce qu'on s'est aperçu que généralement, il générait plein de modèles, mais qui n'étaient pas adaptés aux besoins de la personne. C'était des modèles qui étaient intéressants pour l'inspiration, mais généralement, on voulait plutôt se baser sur des modèles, les personnaliser pour soi et recréer son propre modèle à soi. D'accord? Oui, et puis Donc aussi voilà, donc là. le risque, il nous balançait 15 modèles et finalement on en utilisait 3. Et là, on va Voilà, avoir alors après, il justement faut un supprimer. truc plus personnalisé, quoi. Voilà, donc là, si maintenant je fais créer un modèle, voilà, il va me demander, bah, OK, quel est le nom du modèle? C'est hop là. S'il veut bien, hop. Voilà. Bien sûr, une description. Et dans quelle bibliothèque, eh bien, je vais déposer en fait cet élément. Et si j'en ai pas de créé, bah, je peux en créer une spécifiquement pour mon client à ce moment-là, hein, bien entendu. Donc il y a un vrai lien ici. Alors hop,
Par contre, là, il met un peu de temps. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de bibliothèques, donc il met un peu de temps à venir. Et si j'ai ça par-dessus, on verra moins bien. Vous voyez, j'en ai un paquet. Hein. Et bien sûr, ce n'est pas celui que je vais voir tout de suite. C'est un classique. Alors. Ne quittez pas, je vais trouver la bibliothèque. Je vais éviter de mettre On te laisse n'importe où. chercher un petit peu, mais Ouais. au passage, on aura une question de Martine qui demande comment passer d'une marque à l'autre sur une publication. Ça marche, je vais Tout à montrer l'heure, ça on dans un pourra. instant. Voilà, par exemple, là, Event Matthew Hugo, c'est la 2, donc c'est pas grave, on va mettre dedans. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, il va se mettre dans cette bibliothèque-là que je peux partager. Voilà. Et donc là, il convertit en fait mon poste en un modèle en fait que je vais pouvoir récupérer. Alors comment on change simplement en fait la brand? Là, si je reviens par exemple sur un de ces postes-là qui était un poste de démo que j'ai fait en 2 secondes, voilà, à partir d'un modèle, donc il n'y a rien de particulier. Donc on arrive ici, donc dans création ici, eh bien c'est là où on a le modèle en fait. Donc ici. Ouais, j'ai bien marqué le modèle Adobe et on voit qu'il y a la couleur de référence ici, qui est ma couleur de base. Et bien à partir de maintenant, je peux changer de marque. Et imaginons que je veuille MathUVU. Voilà. Hop, là maintenant il va me mettre MathUVU. Et puis je vais dire, bah, voilà, donc ça y est. Là, il a bien changé le logo, il a bien changé les couleurs. Le thème de couleur aussi, le filtre couleur qui était là-dessus. Et puis après, je peux très bien dire, bah non, en fait, j'aimerais. Voilà. Basculer entre les différentes couleurs de MathUVU pour qu'elle me retravaille un petit peu les éléments. Puis bien sûr, je peux revenir replacer les éléments, changer les images, changer la taille ici en fait de mes gouttières et ainsi de suite. Donc Ok, voilà, donc vraiment hyper, on arrive hyper à la efficace, fin. quoi. Ouais, le partage ici se fait comme d'habitude. Je peux partager avec quelqu'un. Je peux télécharger l'image. Je peux partager donc en faisant publier, partager le modèle. Et si je fais publier, là par exemple sur ordinateur, on a des connexions directes avec Facebook, Twitter, Teams, ou on peut envoyer par email, ou on peut envoyer un lien. Donc, il y a un truc aussi pour l'éducation, pour les classes. Alors que si vous êtes sur téléphone, sur l'application sur téléphone, eh bien là, en fonction des applications installées, ça rajoute les fameux services de publication hein, de vos téléphones. Donc là, il peut y en avoir potentiellement beaucoup plus, en fait. C'est ça, faire des stories Instagram, faire des posts sur Exactement. Twitter, faire des posts sur Instagram, des vidéos de partout. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Voilà, et donc dans les petits bonus, juste pour la fin, si vous allez dans les liens, je pense que hein, tu vas donner mon Vigo, en Ton fait, mon bigot, espace de ouais. bookmark avec les mots-clés. Et si on va sur par exemple, sur un des liens que j'ai donné, en fait, que j'ai oublié, qui est celui-là, voilà. Vous trouverez ici, en fait, il y a la liste de tous les modèles, de tous les contenus, en fait, que l'on peut faire, en fait. Il y en a un paquet. Et dans les petits trésors, voilà, que l'on trouve, on va trouver par exemple un timeline maker. Pour créer des timelines assez facilement, par exemple, on va éditer ce template-là. Bon, j'aurais pu prendre celui-là d'ailleurs, qui avait l'air un petit peu plus sympa. Voilà. En gros, c'est utilise Post hein, derrière, mais c'est juste que là, un peu plus orienté sur des timelines. Avec déjà des templates existants, avec Exactement. déjà des styles existants. Alors Exactement. Et le temps que là, ça se vous charge. voyez que voilà, il y a déjà un template qui a été fait pour moi. Ça me permet de très rapidement créer une timeline. Et puis, si on regarde ici, donc si je reviens sur le Divo, c'est les liens que je vous disais, il y a aussi, par exemple, un chart creator. Voilà. Où là, vous pouvez rajouter vos propres valeurs, vos propres éléments, changer les designs, changer les couleurs, voir ce que vous voulez. Donc Voilà. on peut l'imaginer même dans un environnement qui soit pas purement créatif, un environnement business, Exactement. comme tu le disais, on est vraiment à l'aise là-dedans. Donc tout ça, vous allez le retrouver Exactement. dans le Digo. J'ai une question d'Axel Isartel qui nous dit, est-ce qu'on peut créer des newsletters exportées en HTML sur Spark? Alors, non, On non, ça on va pas pouvoir va faire, non. fabriquer la page sur Spark Ouais. Page, mais elle sera hébergée et utilisée directement sur le service. Exactement. Alors, une petite chose que j'ai aussi oublié de préciser sur Post, c'est qu'il y a aussi des animations. Moi, je précise pas souvent parce que j'oublie, parce que c'est moins mon truc, en fait, je n'utilise pas vraiment. Mais en fait, vous avez aussi les animations ici. Et donc, vous pouvez exporter, en fait, vous pouvez rajouter des animations par exemple, sur un texte, par exemple, façon machine, enfin, le texte qui s'écrit façon machine à écrire, etc. Et du coup, ça vous exporte une petite vidéo, tout simplement. Ça, c'est vraiment très très Donc, j'ai cool. oublié de le préciser, mais je sais qu'il y a des gens qui adorent. Moi, c'est juste, voilà, j'y pense pas, je fais plutôt du fixe.
Ou alors c'est vraiment un motion, mais c'est voilà, c'est perso, je préfère envoyer un visuel sur les réseaux en fait. Un truc rapide à faire. Non, mais effectivement, quand on se retrouve avec un événement avec plusieurs parties successives, avec plusieurs thèmes qui reviennent, c'est vrai que ça devient super pratique de pouvoir rapidement préparer ça, pouvoir anticiper, dupliquer les éléments pour pouvoir les réutiliser plus tard et poster ça, ouais, en story, alors que sinon c'est complexe à animer. Voilà. Et là, vous pouvez voir un petit peu, voilà, d'appliquer rapidement des petits éléments. Voilà, il a fait l'animation. Si je veux faire des zooms photos, bah, voilà, il me fait des petits zooms photos, et ainsi de suite. Voilà, ça m'envoie une petite boucle, une petite vidéo boucle. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que Petite dernière prendre pour la la parole? route. Non, pour l'instant, écoute, on a répondu à chacune des questions des utilisateurs. Donc, ils ont découvert aujourd'hui les pages, les vidéos, enfin, les Spark vidéo, oui, les vidéos. Puis les posts en fixe et en animé avec du texte. Donc là, vous êtes vraiment complètement servi. Je ne sais plus où j'ai mis mon. J'ai oublié de vous montrer quand même un résultat Un résultat de de Spark Post. Miagina. J'ai mis, alors j'arrête le partage 30 secondes pour retrouver facilement mon Miagina. Là. Tu peux remettre le partage quand tu veux. Mais tu Oui, me ça préviens marche. avant. Hop. Excusez-moi, j'ai oublié d'ouvrir à l'avance dans. Nous dit bravo et merci, il n'y a plus qu'à se lancer. Pour Alors, l'instant, oui, on hop. avait eu que Fortu qui avait un Spark à lui. Je retrouve ça dans un instant. Pas de souci. Pour vous montrer un petit peu ce que voilà, hein, que j'ai fait moi. Alors, plus pour la démo, mais aussi pour le truc sympa, en fait. Hop, les liens, tac, tac, Alors tac, Martine tac. me demande de redonner le lien des ressources. Il est 3 lignes au-dessus de votre lien. Ça s'appelle tous les liens bookmarqués par Stéphane sur son Digo. Il est juste au-dessus. Vous tapez Voilà. diigo.com. Tu repartageras et je remettrai en plein écran. Je repartage mon écran tout de suite. Hop. Juste pour vous montrer, bah, parce que je vous ai montré comment créer le template Spark Page, mais je ne vous ai pas montré un résultat, hein, tout simplement. Pareil, voilà. Et donc ici, voilà un petit résultat d'un Spark Page que j'avais fait sur Miyajimac, un de mes lieux pour l'instant préférés du Japon. Et voilà, donc du coup, juste pour l'exemple, j'avais fait une petite page avec les éléments. Donc là, on a les petits diaporamas photos de Miyajima. Donc tout ça, c'est fait automatiquement, c'est responsive, ça passe bien sur mobile, c'est petit, Les liens sont propres, les liens sont propres. Ils peuvent être sur le texte, ce qui n'était pas le cas à l'époque quand j'ai fait, mais ils pouvaient être à l'intérieur du texte aussi maintenant. Voilà, c'est ce qu'on appelle des glideshows, c'est-à-dire des petits fondus qui peuvent avoir des blocs texte, images aussi par-dessus. Voilà, mais voilà, j'ai rien eu à faire, j'ai juste pris un template que j'ai personnalisé à mon goût. Et à partir de là, bah, je viens raconter une histoire assez facilement. L'histoire de mon voyage, l'histoire des torii, qu'est-ce que c'est, leur couleur. Et puis ici, voilà, d'autres liens, des vidéos à la fin, en embed, avec des images en plein, des images en fenêtre, des images, voilà. Et on peut embedder, bien sûr, des vidéos YouTube. Voilà. Voilà. Et on se concentre là-dessus quand on crée, en fait, juste pour montrer. Voilà, si je crée un Spark, juste très rapidement pour vous montrer, un Spark page, voilà. C'est le même principe que les autres. Voilà. Là, pour l'instant, j'ai rien. Voyez? Donc, on me dit, bah, qu'est-ce que je veux comme image? Hop là. Donc, pareil, je vais reprendre mon mot-clé Japon de tout. J'ai bien sûr tout ce qu'il faut. Voilà. Le Japon, je mets mon texte. Et ce que je voulais vous montrer justement, c'était ce côté ici, c'est que je peux dire focal point. Et là, j'ai une petite vue qui me montre sur mobile ce que ça donnerait. Et quel est le point important dans mon image que j'aimerais cadrer quand on est sur un plus petit écran. Je fais enregistrer. Voilà. Et ensuite, je me concentre. Alors, bien sûr, je pourrais mettre un titre, voilà, ici, qui va être, s'il veut bien, hop. Il veut pas. Bon, voilà, il veut pas. Et quand je descends, ben, on va me demander qu'est-ce que je veux comme contenu. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais dire que c'est, voilà, que c'est un titre, et puis ainsi de suite. Et là, il s'est basé sur quoi? Ben, sur mon thème par Ton défaut, qui est le thème par thème défaut. Adobe, mais qui pourrait être un autre thème, et je peux encore switcher de marque pour répondre à la Voilà, question de tout à l'heure. ça répond à la question de Martine qui nous demandait Voilà. comment passer d'une marque à l'autre. Tu vas Voilà. avoir accès à tes différentes marques directement.
Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et donc je construis ma narration au fur et à mesure en rajoutant des contenus, des boutons, des vidéos, des grilles de photos, des slideshows, des mises en page scindées, texte, images, et ainsi de suite. Donc Voilà. c'est Donc vraiment ça, c'était super. juste pour. Voilà. Donc on se concentre vraiment là-dessus et ensuite on partage juste la page, c'est tout. Un lien, une URL publique indexée qu'on peut embedder dans un autre site classique comme une vidéo YouTube. Nickel. Nickel, nickel. Bah, j'espère que ce petit rajout aura bien servi à tous, que vous aurez bien trouvé tous les petits contenus, que ça vous permettra de retrouver ça. Et je vais vous remettre le lien, moi, du Discord, parce que je vous repasserai les quelques liens qu'on a partagés ici. Donc vous pourrez retrouver le Discord en français et nous suivre. Merci encore Stéphane, parce que c'était vraiment très très bien. Je vois qu'on est en mode abracadabra, donc on va le laisser faire sa magie tranquillement en arrière-plan. Et puis ben, du coup, nous on se retrouve donc demain à 14h avec Alicia Flippo. Illustration, site, chaîne YouTube, vous allez voir, elle est hyper dynamique et il y a plein de choses qui se passent. Jeudi, on parlera photo ensemble pour traiter justement l'organisation, les développements et autres. Vendredi, ce sera notre gros Art and Talk. Tiens, une dernière question de Pascal Cybertin qui nous disait bonjour tout à Ah, l'heure. salut Pascal. Salut Sylvain. Est-ce que ça peut faire office de PowerPoint, Spark? Vidéo pourrait faire office, ouais. Mais sauf que ça va être une vidéo sortie. Mais oui, justement, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'exporte mes slides pour PowerPoint, je les mets sur des slides vidéo, d'Aspark Vidéo, et je mets ma voix off dessus, comme ça me permet de diffuser les slides quand on n'a pas la voix si vraiment il y a besoin en fait. Bah, tu vois, comme ça on a une bonne réponse bien précise. Allez, bah sur ce, Salut merci à Cib, on tous. s'appelle bientôt d'ailleurs. Merci beaucoup, merci à tous. Et donc rendez-vous demain, après-demain et vendredi, attention, ça commence à midi parce qu'on a 4 lives dans la foulée. Donc ne vous ratez pas, ne nous oubliez pas. D'ici là, ben, soyez sages, travaillez bien et à très bientôt. Merci.